Bah oui, bonjour. C'est la deuxième partie. Alors la deuxième partie de cette map en fait, et du mapping. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant la pause? Et ben on n'a rien fait du tout. Et voilà. I made this game, you're welcome. P.S. I'm not Batman, I'm Andrew Berger. Mais calmez-vous avec Andrew Berger. Andrew Berger n'a pas fait des bons jeux. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Petros 33120, s'abonne à la Zerator Télévision. Salut à toi, merci de ton sub. Merci de ton sub. D'ailleurs, je crois que... Attendez. Merci beaucoup pour ton sub, j'espère que tu ne le regretteras pas. Est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut skinniser un Zeppelin? Je crois que oui, mais à quel point? C'est-à-dire que si je mets mon truc, ça va faire quoi? Ah! Du coup, non. Illist a-t-il communiqué sa frustration de ne pas voir son nouveau TM Turbo pour cette Trackmania Cup? Pas du tout. On n'en a même pas parlé une seconde. Donc non, pas du tout. Moi, j'ai juste dit que c'était pas possible de le faire en l'état actuel du jeu et des serveurs et compagnie. Molocax. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, Zerator, est-ce que... comment tu vas faire si, par exemple, dans les 8 joueurs qualifiés pour la finale, pour la demi-finale et la finale, il y en a un qui est pas dispo? En fait, l'histoire, c'est que dans tous les quarts de finalistes, on va faire des listes d'attente. En fait, sur chaque quart de finale, il y aura... Trop épique cette musique, c'est qui l'artiste? Hein? C'est Schmout. C'est Tsuna. Les modos vont te donner les infos dans le chat si tu veux les... la musique. Ils parlent de la musique de pause, bien sûr. En fait, on va qualifier 8 personnes pour la grande finale. Mais il y aura en fait 12 personnes qualifiées, c'est-à-dire 4 de plus. Enfin, je crois qu'on avait dit 12 au final, je sais plus comment on s'est arrangé. Mais en gros, les quarts de finalistes qui n'arrivent pas à aller jusqu'en demi seront prévenus qu'ils peuvent être appelés si jamais il y en a un qui est pas dispo. Et si jamais on se retrouve le jour de la finale avec, je sais pas moi, 7 participants au lieu de 8, bah tant pis, il y aura une demi-finale à 3. Mais on va tout faire pour que ça arrive pas, parce que c'est vrai que c'est possible que ça arrive. Vous avez eu raison. Vous avez eu raison. Eh oui. Il y a ta piscine qui fait pile la taille d'un zeppelin, tu peux pas la laisser comme ça. Tu te trompes, Andrew. Ce n'est pas ce Trackmania que tu as fait, c'est le nouveau. Oh, le matin. Oh, trop pidambour. C'est vrai, ça fait pile la taille d'un zeppelin. Ah non, ça fait un de moins. Enfin, un de plus, un de moins. Enfin, on peut pas, ça fait pas les mêmes tailles, tu vois ce que je veux dire? Non, mais sinon, je peux faire comme ça. Ah! Mais ça suffit! Ah non, mais en fait. Ah oui, mais non, parce qu'on peut pas. Je peux pas décaler pile au truc. Cela dit, je peux faire une piscine ici qui a, elle, la taille pour faire rentrer un zeppelin. Ça, c'est tout à fait possible, par contre. J'ai un souci, Victorious TV me prend pour un pauvre. Ces jeunes de nos jours, je vous jure, plus aucun respect pour les vieux. Calmez-vous avec Victorious TV. Calmez-vous de manière générale. Alors là, c'est bon, non? Eh ouais, mais non, il faut faire des deux côtés pour que ce soit symétrique. Sinon, ça ne le sera pas. Calmez-vous. Hop. Voilà. Voilà. Un zeppelin dans le... Putain, il est stylé en noir comme ça. Mais non, on va pas le laisser comme ça. On va pas le laisser comme ça. On va le mettre en Trackmania United. Ils sont bien en Trackmania United. Ils sont verts. On dirait un sous-marin. C'est de la bombe. Putain! Waouh! Un sous-marin, je l'ai fait sans faire exprès. Oh, je suis trop fort. Je suis carrément trop fort à ce jeu. J'ai trop d'inventivité. Non. We are living a grey submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Eh, c'est de la bombe, non? Mix bloc OP. Ah oui, ça c'est sûr. Eh, c'est trop bien. Je crois qu'on a le nom de la map. On va en mettre un autre à côté. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai dit non finalement. Réinitialiser la sélection, voilà. Attends. Copier. Copier. Ah non, il s'en fout. Ah. C'est juste le zeppelin du coup. Pour enlever les sapins. Mais non. Ah ouais, c'est cool. Tam, tam, ta tam, tam. Tadam, tam, ta tam, tam. Voilà, c'est une armée de sous-marins. Ça y est, la map est partie en couille, on lui a trouvé un vrai thème. Mais formidable, c'est fait. Tadam tam ta tam ta. Ah, mais c'est génial, c'est absolument génial. Pleuis de sous-marins, mais de l'eau partout. Alors le problème c'est que si on rajoute de l'eau, on verra que c'est des zeppelins, non? Ah, quoique, non, c'est cool. Me calmer alors que je suis ultra hype avec la Trackmania Cup 3. Je ne sais pas si cela est plausible. Est possible, non? Mais il est possible de le faire. Comment ce sous-marin est arrivé là? On ne saura jamais.
Waouh. Putain, cette grande classe, quoi. Mais pas du tout, Coccinelle ment. Tout ça pour passer à la télé. Bon, c'est très bien. Cette map, vous voyez, on avait du mal à lui donner une identité. On a failli l'appeler Like a Diamond, vous vous rendez compte. Et d'un coup, quelqu'un a dit « Mets un zeppelin de la taille de la piscine ». Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, bravo à toi pour ton inventivité. Il va falloir mettre des poteaux adéquats qui peuvent aller dans l'eau. Binks, genre ça. Bon, là, je le fais comme un sagouin. C'est-à-dire que normalement, ça se fait pas du tout comme ça. Ah non. Ouais. Voilà. Les sous-marins rentrent trop bien. Non, mais grave, franchement, c'est vraiment une idée de feu. Une idée de fou. Voilà, pas mal du tout, ça. Tadam, tadadam, tam. Tadam, tam, tadam, tam, tam. Dans le dernier best-of, on voit la scène mythique de l'intro devant presque 21 000 viewers. Carl Jr. soulève son deuxième titre. Et là, tu nous prépares la ZRT Trackmania Cup 4. Coïncidence ? Bien sûr que non, c'est de la télé, ces trucs. Nom de la map, In the Navy. In the Navy ! On aime bien manger des spaghettis, In the Navy ! Non, pas In the Navy. Ça suffit, les Village People ont eu leur heure. Maintenant, on va l'appeler juste Grey Submarine. Non, juste Submarine, en fait, c'est tout. Ou Submapping. Je sais pas. Je suis pas encore arrêté sur l'idée, comme Johnny. Ah, attendez. Hop. Hop. Mais du coup, on est obligé de mettre de la mer partout. C'est insupportable. Plausible égale possible et probable. Victorious TV. On se calme, la TV c'est truqué. Oh et oh hein. Commencez pas à vous parler entre vous, hein. Non, je sais pas. Que dit le chat? Track Marine. Stropole. Sub-Zerator Marine. ZRT Submapping. ZRT Submarine. Du calme, oh là là, vous êtes énervé. Qu'est-ce que vous êtes énervé? Oh là là, c'est pas bien, moi j'aime pas les gens énervés. Je voulais me commander à manger, finalement j'ai trouvé le courage de faire le repas moi-même, du coup je donne de l'argent. Ah, 142x14. Enfin, XE14. C'est bien, bravo à toi. Eh, c'est trop de la bombe ces zeppelins, ça donne un air dramatique à la carte quoi, on se croirait en pleine guerre. Formidable, excellent travail. Pour mettre un là peut-être, hop, voilà. C'est de la bombasse. Je trouve que c'est de la bombe. Voilà. Sub-hype. Zera, est-ce qu'un marathon 24 heures serait à prévoir pour la sortie de Légion? Tout à fait, Giscan. Comme disait Jean Gis. C'est tout à fait à prévoir. C'est tout à fait prévu d'ailleurs. Tape marathon 24 heures Légion. D'ailleurs, je pense que tu trouveras une VOD. Je reviens et tu as pété un câble avec des zeppelins. Alors, caveau familial, tu dois te tromper puisqu'il n'y a aucun zeppelin dans cette map. Il n'y a que des sous-marins. Ah, dommage que ça rentre pas là. Je peux en mettre un comme ça, cela dit. Bon. Ça fera genre, ils peuvent tourner et tout. Mon bon monsieur, apprenez que tout ma peur vite aux dépens de tous les viewers qui l'écoutent. Cette leçon vaut bien des boulesses, sans doute. Trop marrant. Petit remix. Petit remix de la fable. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. J'en mettrai un là, comme ça. Puis voilà, c'est bien. Mets les sous-marins en jaune et appelle-les Yellow Submarine. Alors en fait, on peut pas les mettre en jaune. En fait, enfin, je pourrais... faire un truc incroyable. Mais ce serait très laid à mon avis. Mapping Trackmania, la flotte nucléaire russe back in the URSS. En fait, je pourrais faire un truc, regardez. Genre, j'ouvre Paint. Je dis salut, je voudrais un truc full jaune. Voilà. Zera, te plains pas parce qu'on parle. On parle par donation, on fait ta paye. Oh, comment c'est pas. Hein. Là, je prends un screenshot de ce truc tout jaune. Into. Je le mets là. Comme si je faisais une texture en fait. Finalement, je suis un peu. Un homme à tout faire. Et ensuite, je vais dans le texturing. Je fais choisir URL, je fais ça. Et là. Waouh! Ça fonctionne, mesdames et messieurs. Ça fonctionne. Alors la question, c'est maintenant, est-ce qu'ils seront tous jaunes? Voilà! Exactement. Bon, génial! C'est ça que l'on va faire. Formidable. Formidable, formidable. Hop. Dun, ta, li, da, da, ta. Ta, da, ta, ta, da, ta. Ah, ils sont beaux, hein. On dirait des suppositoires géants. Mais ça fait plaisir. Yellow Submapping, on va l'appeler.
J'adore cette carte. J'adore cette carte. C'est I2, et ben ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Sous-marin en B12, c'est bon, il a coulé. Kev Popo, Kev Pop. Bon, on tente la validation ou quoi? On dirait des bananes. Mais non. Non mais c'est vrai que ça faisait trop sérieux avec les sous-marins gris et tout. Là, au moins, c'est bien dégueulasse, on est dans le thème. Oui, bon, calmez-vous, je suis même plus sur le jeu. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous. Pourquoi on n'a pas le son en arrière-plan d'ailleurs? Heureusement qu'on est plusieurs, parce que se faire payer avec quelques types qui donnent 50 de temps en temps... bah ça arrive, hein. Ça s'appelle un kebabiste. Alors, là on est en pleine validation. Ouah, j'ai trop géré là en vrai. C'est comme ça qu'il faudrait le faire, mais en visant mieux. Le mec veut faire 15 maps en une semaine, il passe 20 minutes à mettre des dirigeables, warsit. Non mais hey Scurry, calmez-vous. Déjà j'ai pas dit 15 maps, j'ai dit entre 10 et 15 maps. Et ça arrivera, on y arrivera. C'est d'RT banane. Mais non, pas banane. Yellow sub mapping. Merde. Yellow sub mapping, c'est très bien. Mets un sous-marin au milieu du saut. On peut pas, ça rentre pas. Mon dieu, une armée de suppositoires. Suppositoire dégueu. Du calme. Merci à toi, vous voulez whisky. Vous voulez un whisky. Oh bordel. C'est d'RT poisson pané. Mais pas du tout, Kergan. Pas du tout. J'y arrive pas. Ah non. Oui. Non. GNRT, we all live in a yellow submarine. Non, trop long. Raxorus, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Demain, il dira que ce sera entre 8 et 10 maps. Mais non, vous avez pas vu mes slides en 19 parties. Je vous l'avais dit. Punaise, mais qu'est-ce qu'il vient de créer Fukushima de retour. Mais calme-toi, c'est Tsuna. Too soon, way too soon. Ah, raté. Je suis en train de valider la map, hein. Donc là, on est parti pour une heure de VOD. Si vous n'avez pas le stream en source, désolé pour vous. On peut passer à gauche. Non, on peut pas passer à gauche normalement. Enfin, on peut, mais c'est compliqué. Mais je vous montre ce qui se passe si on veut passer à gauche. Je vous montre. En gros, si on passe là, c'est encore plus difficile parce qu'il y a vraiment un sapin en plein milieu de la route. Et comme il y a un trou au milieu de la route, ça oblige un peu à passer sur la droite. Je viens d'avoir une idée horrible. Non, une. Non, deux. Et là, vous êtes en mode. Oh oui, il va le faire. Oui, je vais le faire. Oh mon dieu. Ça va être formidable. Qui c'est que quoi? Dégage. Non, en fait, non, attends. Attends, calme-toi. Lui, là, il est accosté. Arrêtez de jouer avec mon prénom, Submarine. T'inquiète, Victorious TV, tout ira bien. Bon, lui, il est accosté, d'accord? Do it! Il va pas faire ça. ZRT jaune. Oui, j'avais pas d'idée. Oui, j'arrête. Oh. C'est pas grave, Dribouille. Regardez, l'état du chat actuellement. L'état du chat. Le chat pète un câble. Do it! Il craque déjà. Oh oui! C'est pas vrai. RIP la validation, le bâtard de ouf. Banane sur lit de taboulet. Mais pas du tout, bon sang. L'arrivée, oh vite! C'est où? C'est là. Ah, je sais pas si ça le fait. Mon dieu, plein de fucadelles dans la piscine. Parce que c'est des suppositoires. Qu'il est bête. Ah, attention! Faut pas que ça puisse être cuté par là! Parce que là, vous voyez, on peut cuter par là. Raxorus s'abonne à la Zerator Télévision. Merci, Raxorus. Merci pour ton abonnement à la Zerator Télévision. Hop! On va la placer ici. On va tout placer à côté. L'arrivée, je vous prie. Allez! Voilà. Oh là, c'est dégueulasse! Ce don pour avoir gardé mon idée. Gaspette the best. Oh là, mais c'est dégueulasse! Pourquoi il est arrivé comme ça avec des bouts de trucs et tout? Bon, enfin, c'est pas très grave. Est-ce que c'est très grave? La réponse est non, évidemment. Là, c'est trop haut, non? Oui, un peu! A little bit! Bon. Suppositoire mignon. Tout est bella comme la papaye. On va le mettre ici, d'accord? On va le mettre là. Mais est-ce qu'il y aura assez de... Il faudra assez de sauts. C'est peut-être mieux que je vienne pas, en fait. En fait, le truc, c'est que...
Mais Shortugal, calme-toi. Sois pas vindicatif, Shortugal. Merde. On se met en mode bloc. Allez. Voilà. Hop, non, pas ça. Des routes, merci. Faut qu'on ait assez de vitesse. Ça passe. Ça passe trois fois. Ça passe trois fois. Par contre, ici, on va mettre un vrai checkpoint pour qu'on puisse recommencer. Comme ça, si on rate l'arrivée, on peut quand même retenter. Si j'arrive à cliquer. Si j'arrive à cliquer. Allô ? Eh ben, c'est laborieux. Voilà, comme ça, on pourra recommencer ici. Ah ! Dans la terre. Bon, alors retirons ce bout de terre. Voilà. Comme ça, on a une fin bien propre qu'on peut recommencer, vous voyez ? Et là, il faut juste te dire que ça passe comme ça, trois fois. Et voilà. Ça peut faire des fins extrêmement spectaculaires. Donc, il y a deux difficultés dans cette map. C'est ce premier saut et cette fin. Ok ? Comme son Trackmania bug de ouf. Mais en fait, c'est à cause du mix block, les textures et tout, ça fout la merde. Pour être plus près des sups, faut faire l'arrivée sous l'eau. Non, c'est bon. Là, on est bon. On tente une validation. Attendez, est-ce que... Je sais pas s'il y a des cuts possibles ou quoi. J'ai même pas regardé en fait. Donc là on saute. Bon là à mon avis ils peuvent cutter en faisant un saut et en sautant sur ce truc bleu. Et si on est sur le truc bleu, je pense qu'après... Bordel de merde. Attendez, calmez-vous, je vais mieux placer ma voiture. Voilà. Si on est sur le truc bleu, je pense qu'après on peut aller sur la gauche. Comme ça. Même pas. Enfin ça va être dur quoi. Enfin bref, je leur laisse le cut s'ils veulent le faire. Enfin le cut, si on peut appeler ça un cut. Là il y a le checkpoint, là on descend, il y a un autre checkpoint ici. Là, tac. Là, il y a un checkpoint en bas. Après mon premier don et mon abonnement, viewer de l'ombre qui te suit depuis ton best of 100, je voulais te dire que l'autre jour, en traînant sur internet, j'ai vu une fanfiction Yawa de Fugano, Rosgrim, Sifano avec toi, chelou. Ouais, Raxorus, j'en ai entendu parler. Enfin, non, j'en ai déjà même vu, il y en a plusieurs même. Vous n'avez pas envie de savoir ce que c'est. Mais l'arrivée à l'envers pour que la plateforme blanche soit sur l'autre côté. Non, mais en fait, c'est pas mon but. En fait, là, le fait qu'il y ait une plateforme m'arrange beaucoup. Et voilà. Et voilà. Ça m'arrange qu'elle y soit, ça simplifie un peu l'arrivée. D'accord ? Voilà. Alors ! Raté. Là, on entre en phase de validation. On en a pour 15 minutes. Bon, ça déjà, c'est un moment simple de la course. Après, vous aurez un peu du mal, je pense, les viewers, mais... Faut savoir que c'est quand même assez facile. Voilà. Hop. Voilà. Allez, on y va. Alors là, il faudra prendre assez de vitesse pour pouvoir gagner du temps et faire en gros, voilà, ça. Exactement ce que je voulais faire. Voilà, là, on fait le petit slalom. Le petit slalom. Waouh, 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 du calme. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Bah là, on a une idée à peu près réaliste du temps que dure la course, je pense. Elle va être assez courte, mais c'est bien. J'espère moins d'une minute trente. Enfin, moi je ferai pas de moins d'une minute trente comme je disais, mais je pense qu'elle fera en vrai moins d'une minute trente. Quand je dis en vrai, c'est-à-dire une fois qu'elle sera en mode compétitif par les professionnels du jeu vidéo. Du jeu vidéo Trackmania. Mais même moi je vais faire moins d'une minute trente probablement. Voyons voir. Sauf si je rate ça. Auquel cas on peut recommencer, c'est pas grave. Enfin, on peut recommencer le saut. Formidable! Eh ben franchement, je pense qu'on a fait un temps pas dégueulasse. Il a vraiment dit dans 15 minutes c'est fini, MDR, je suis mort. Pas dégueulasse, non? Comar, je t'aime. Bienvenue à toi, merci pour ton sub. Voilà l'état du chat actuellement. He did it! Je suis hyper content. On revient au début, on va se remater le replay pour voir. Je suis hyper content. 15 minutes plutôt 1,5 minutes. Et ben franchement, je pense que c'est une belle première carte. En termes de difficulté, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut. Je pense qu'il y a des pros qui passeront sous la barre des 1 minute. Ça me paraît évident. 1 minute 11. Mon avis, franchement, ça me paraît évident. Alors oui, je précise un truc que j'ai pas précisé encore. Le map pool, on vous donnera les maps, hein. C'est-à-dire que vous serez pas obligé de jouer sur le serveur pour vous entraîner, enfin sur les serveurs, puisqu'il y aura plusieurs serveurs mis en place sur Trackmania 2. Faker du premier coup! 760 presque, j'ai restart une fois.
C'est vrai. Les 15 minutes sont passées hyper vite. Et on vous donnera les maps, hein. Elles seront disponibles en téléchargement. Vous pourrez vous entraîner en solo ou quoi. On mettra aussi en place les maps sur le serveur, comme d'habitude, sur les deux serveurs, parce qu'il y avait eu deux serveurs à la base. Et voilà. Bah écoutez, franchement, je suis hyper fier de cette validation. Là, je me suis un peu chié. Je pense qu'il y a vraiment moyen de grappiller plusieurs secondes sur cette carte. Cette map est vraiment cool, je l'aime bien. Elle est vraiment cool. Je pense qu'il y aura du spectacle. Je pense qu'il y aura du spectacle dessus et voilà. Bah c'est tout, hein. On y va. Enregistrer. C'est où? Vous devez calculer les ombres d'une map avant de pouvoir y jouer. Haute, évidemment. Calcul haute. Alors là, mon processeur va peut-être péter un plomb. Mais ça va le faire. 1,61 texel par minute. Par mètre carré de kilomètre heure. Fallait mettre plusieurs Yellow Submarine à la fin. Mais non, c'est pas la peine. Elle est trop facile, je pense, mais il en faut une. Sérieux? Non, elle est pas trop facile. Franchement, elle est pas trop facile du tout, hein. Elle est pas trop facile, cette map. En fait, c'est pas grave qu'elle soit facile. En théorie, une map qui a beaucoup de spectacle est une map facile. Puisqu'en fait, c'est une map dans laquelle il va falloir prendre des risques pour dépasser les autres. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Effectivement. Tellement pas fluide, la map. Ah non, elle est pas fluide, hein. Cut au dernier saut possible. Peut-être, mais de toute façon, elles seront vérifiées, hein, comme d'habitude. Dark Angels 44 s'abonne à la Zerator Télévision. ZRT TM... ZRT Trackmania Cup 4. Du calme, le chat. Rappelez-vous que c'est de la télé. Mais oui, évidemment. Alors, Yellow Submapping. Alors, est-ce que j'irai pas le mettre ça après, peut-être, non? Je vais mettre ZRT Cup 4, tout court. À mon avis, c'est beaucoup mieux. ZRT Cup 4, Yellow Submapping. Yellow Submapping. Faut 2P à Mapping, vous croyez? Je vais vérifier. Mapping. Mapping, faut 2P! Oh là là, quel imbécile! Excusez-moi. Il y a 10 000 viewers. Incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Bon, Mapping, il faut 2P. Voilà, 2P, 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 2P. Yellow Submapping. Yellow Submapping. Yellow Submapping. Commentaire de l'auteur. J'en ai pas mis. Une carte qu'elle est bien pour la conduire. Bon, cela dit, il y a quand même assez peu de sauts. Je suis tenté de la refaire pour voir. Il y a quand même... C'est une map où j'ai mis très peu de sauts. Il y a qu'un saut véritablement, c'est celui-là. Et encore, est-ce que ça doit vraiment compter pour un saut? Ah, vous avez vu maintenant que ça a calculé les ombres, c'est beaucoup plus beau le jeu. Si on loupe le premier saut, on fait comment? Restart? Bah ouais, tu restart. Hein? Tu vois, tu fais hop, tu fais comme ça. Viewers pour du mapping, mais je pense que c'est parce que j'ai fait l'annonce hier, du coup il y a beaucoup de gens, mais je pense que ça va vite redescendre le mapping, les gens vont être en mode bon ok, c'est toujours la même chose, c'est de la merde. C'est de la merde, toujours les maps à la con comme ça. Ah, ça va quand même beaucoup mieux le saut. Eh, c'est vachement plus beau, hein, quand on calcule les ombres et tout. Waouh, quelle beauté, quoi. Beauté du jeu, beauté, hein. Ouais, ça suffit. Retour à l'éditeur. Et bien écoutez, voilà, voilà qui sonne la fin de cette première carte. Donc on a, elle fait 1 minute 16, 2482 en ressources, en Mania Planet, ça, ça va. Comment tu trouves l'inspiration pour réussir à te renouveler suffisamment à chaque map? Ben j'en sais rien, je trouve pas en fait, mais il y a beaucoup de maps, je pense qu'il y a beaucoup de maps qui vont être inspirées de choses que j'ai déjà réalisées par le passé, mais c'est pas très grave en fait, on s'en fout un peu. Et ben on enchaîne, hein, c'est parti. On avait fait deux, on avait fait sur l'aube, maintenant on va faire le jour, d'accord. Alors, le mode restart en mode cup, tu fais comment? Ah ouais, ce sera invalidé. On peut pas la faire. On peut pas la faire. T'as raison. Putain, il a raison. Il vient de clairement de dévoiler une énorme faille de la map. Prenez la place du mort. Un peu con ce qu'on se dit. Un peu ce qu'on se dit après le premier saut. Ok, il a raison. Il a raison, il a raison. Il faut absolument qu'on modifie ce truc. Il nous faut un checkpoint ici. Putain, heureusement que t'es là, mec. Il vient de révéler un point hyper, hyper intéressant. En fait, je vous explique ce qui se passe. Si vous êtes en mode coupe... Si vous appuyez sur restart et que le précédent checkpoint c'est l'arrivée, ça veut dire que vous abandonnez. Donc il faut faire un checkpoint ici. Donc t'as tout à fait raison. Heureusement que t'es là. Heureusement que t'es là. Raxorus qui vient de sauver la cup. 15 minutes de validation, du coup on va repartir. Je vais juste vérifier qu'en prenant le checkpoint c'est possible, mais ouais. Je vérifie. Du calme, du calme. Mais je pense que c'est possible aussi puisqu'il y a les deux checkpoints. Ouais, voilà, c'est cool.
Voilà. Ok, on est bon. On est bon, donc c'est reparti. Go validation. Et c'est reparti, hein, mesdames et messieurs. Et voilà. On repart, hein. On repart. On recommence. Look le cut de la fin tant que t'y es. Comment ça, il y a un cut à la fin? Mais ça, c'est pas possible, par contre. Ah oui, t'as raison. C'est-à-dire qu'en gros, on fait ça. On va ici. Mais est-ce que ça passe? Tu penses qu'il passe? Parce que c'est vraiment collé au zeppelin. Ah ouais, t'as raison, ça passe. Putain, bah c'est cool. Parce que l'important, c'est qu'on puisse les voir et qu'on puisse les modifier, en fait. Enfin, qu'on puisse les adapter. Bon, il suffit de le reculer d'un bloc, en fait, et ça ira. Bah vous voyez, heureusement qu'on est repassé dessus. Je me disais, cette map, c'était trop facile. On n'y a pas passé assez de temps et tout. La validation était trop courte, c'était trop simple. Le jeu était simple. Hop, on va le mettre là. L'arrivée, on va la reculer d'une case, du coup. Oui, oui, oui. Hop. Hop, ici, voilà. Allez. Ah, putain ! Ouais ! Oui, j'ai réussi à enlever l'arrivée ! Je suis un monstre de mapping ! C'est la semaine des boulettes ? Non ? Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Voilà, on y est arrivé. Alors, je sais pas si c'est encore possible maintenant. Si c'est possible, ça va être un peu plus chiant, on va voir. Est-ce qu'on peut rebondir sur l'eau, par exemple? Je sais pas. Ouais, non. Clairement, c'est beaucoup plus chiant. D'accord, eh bien... voyons voir. Go, la validation. C'est parti. Il est pas jaune. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis con? Ah bah non, du coup. Oh putain, je l'ai plus. Si, je l'ai encore. Trackmania, argent, Zelda Trackmania Cup, compétition de qualité. Bon, en fait, je suis trop con, il suffit de faire ça et de le mettre à la place. Il suffit de le mettre là. Ah non, sale queue ça... Alors, c'était où? Je l'ai, il est là, il est là, il est là. Du calme, du calme. Je l'ai. Contrôle majesté, le meilleur raccourci de tous les temps. Merci à toi, contrôle majesté, hein. Merci à toi si tu nous regardes. C'est bon là, on est bon non? Je pense qu'on est bon. Eh bien on y va! Validation! Deuxième round! Alors. Je t'ai découvert durant le Top Gun, tu m'as vraiment fait délirer, tu as gagné un nouveau viewer, continue comme ça, t'es génial. Kokai73, merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que du coup tu apprécies autre chose que le Minecraft, c'est vrai que le Minecraft c'est assez rare, c'est une fois par semaine. C'est vrai. Ah! Merde! Fais juste copier-coller un autre zeppelin. Mais non, ça a pas marché, t'as bien vu. Je l'ai fait, mais ça a pas marché. Ah, ça peut être pas mal. All Planet. C'est pas grave, on valide. On valide parce que c'était quand même cool. Faire des vrilles en validation, c'est toujours cool. Oh, tellement. C'était tellement OP ce que j'ai fait, sans faire exprès. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Il faut avoir un bug jump pour passer ton start, laisse tomber. Ah bon? Bah non. Non, pas du tout. Ah merde. Je pense en fait que j'essaye trop de le passer vite. Oh là là, n'importe quoi. Il y a un autre cut au virage d'avant. Non mais les cuts dans les virages, c'est pas grave. Il y a des cuts assumés qu'on peut laisser. Oh, tu vois, faut faire ça. Il faut beaucoup moins de vitesse, il faut tourner avant. Non, non, il faut pas un, bug d'ozo pour passer ça. Hein. Super, les tutures. Merci, Shortugal. 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 Le huitième checkpoint, tu peux passer par l'intérieur. Quoi? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est exactement ça qu'il faut faire, juste là, voilà. C'est exactement ça qu'il faut faire mais en mieux. Et là si on passe vraiment à fond comme les ballons, on peut faire un truc pas mal. Mais bon là j'ai raté. Hein. Mais c'est exactement ça qu'il faut faire, pas besoin d'un bug de saut ou je sais pas quoi. Hein. Oh là là. Je suis allé trop vite. C'est pas grave. Bon la validation sera beaucoup moins bonne en termes de timing mais elle est tout aussi valide. Parce que là on a passé le plus dur, après c'est que du restarting si jamais on se foire. Muse enflamme la tour Eiffel le 28 juin, soit 3 jours après ton show explosif au Grand Rex.
C'est dingue, vous êtes en collaboration. C'est ça. Exactement. Oh putain. J'espère que t'es adepte de ce trio légendaire parce que je paye ta place. Parking. On est en collaboration, hein, évidemment. Et retrouvez-moi en concert privé avec Muse deux jours après la finale au Grand Rex, évidemment. Ici, ouais, on peut cutter. Oh, pff, c'est tellement de la merde. Non, pas du tout. Il y a un checkpoint dans le tunnel, hein, n'oubliez pas. Mais est-ce que... J'ai même pas testé ça. Oh, ça passe. Ça passe. Grosse validation, recommence la validation. Pourquoi? Il a pas dit enflammer un concert, c'est ça? Si, c'est ça. Enflamme la tour Eiffel le 28 juin. voyons. Vous les conseillez d'améliorer? Non, je pense pas. Non, 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 on a fini, c'est bien. On a fini. On a validé. On n'a pas besoin de faire un timing de port, de toute façon. De toute façon, elles seront retestées, peut-être revalidées. J'en sais rien, je sais pas trop, mais tant qu'on arrive à la sauvegarder, c'est déjà pas mal. C'est parti. Vous devez calculer les ombres, évidemment. Pas de problème. Pas de zouzi. D'accord. Le mapping est prévu pour toute la soirée. Hashtag lire la prog. Non, il y a d'autres trucs prévus ce soir. Tu peux aller voir sur le site, sur la programmation. Contrôle majeté, mais de rien. Ah, merci, contrôle majeté. Heureusement que t'es là. Hein. Heureusement que t'es là. Merci beaucoup. Le start, c'est vraiment nimp. Mais non, c'est pas nimp. C'est la Trackmania Cup, mon pote. C'est comme ça. Calcul des ombres. Rebond lumière, numéro 3 sur 4. Ah non, plus rien en dehors des limites de tolérance. Bon, bah c'est du bar tout ça. Compression et sauvegarde. Excellent, excellent. Chargement des textures. Voilà, on la sauvegarde. Voulez-vous remplacer le David? Oui. Ok. Eh bien écoutez, après toutes ces séances de validation qui en fait ont duré pas mal de temps, parce qu'en fait ça fait 35 minutes qu'on valide du coup. Enfin presque 35 minutes. Donc on va faire une petite pause. Une petite pause, ça fait 33 minutes à peu près, 34 minutes. On va faire la petite pause et comme ça on passera à la nouvelle map sur une nouvelle VOD, ce sera beaucoup plus pratique. A tout de suite dans 5 minutes, je reviens juste après.